Et bonjour à toutes et à tous, c'est The Vosgien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite et dernier épisode du Let's Play sur Pokémon Arceus. Et aujourd'hui, dernier épisode, on va aller localiser Arceus avec cette bonne vieille Dream Team, hein, du coup, qui est Clamiral, Grolem, Torterra, Dialga, Palkia et Seriflore, quand même un big up à... Pouah, je ne saurais même plus dire, Togekiss il me semble, au Luxray que j'avais au début de l'épisode, etc., etc. Au début du let's play, pardon, au début de l'aventure, voilà. Maintenant, nous y sommes, nous sommes à la fin. Petit épisode, hein, en prévoyance, hein. Bien sûr, on va un petit peu s'amuser si on a Arceus, Arceus. On va pas non plus jouer 20 minutes de gameplay Arceus. Oh, quoique, hein, peut-être pas tout le monde là, donc pourquoi pas. J'ai jamais voulu ouvrir ça, mais pourquoi pas, let's go. Bah, c'est parti. On y va, 1100 mètres pour la fin du let's play. Rencontrer Arceus au temple de Sinnoh, dans les hauteurs du contrefort couronné. Il y en a eu des épisodes. Il y a eu 50 épisodes sur ce let's play. Alors, peut-être pas beaucoup de nostalgie à proprement parler, même si ça fait quand même 3 mois qu'on a commencé le let's play. Un peu moins de 3 mois, bon. Voilà, je suis pas un joueur de Pokémon, même si le jeu était quand même bien friand, j'ai bien aimé, bien gourmand, j'ai bien aimé. les graphismes c'était pas exactement pour moi, même si c'était très bien, voilà, c'était très 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 bien. Je m'y suis fait, on va dire, hein, assez facilement. Oh, bah, pas mal cette passe d'armes entre guerrier et Farfurex, et ça continue. Et ça va continuer de continuer, maybe. Non. On va passer sur ça, on va repasser sur Farfurex qui va, ok, bah là si elle veut pas monter plus que ça, nous on va essayer de monter comme ça on peut refaire une transi Farfurex avec Guerrieg, et là cette fois-ci on est parti, il faut aller là-haut. Bah ouais, on a plus rien, on a découvert tous les Pokémon, rempli toutes les pages Pokédex du jeu. C'est incroyable, hein, plus ou moins quand même, mais on a quand même fait vraiment de superbes parties, on a fait un beau let's play et puis voilà, c'est tout, nous y sommes. Au dernier endroit maintenant, hein, on rentre dans le dernier, la dernière fois qu'on rentre dans cette grotte qui était vraiment cool, hein, on avait affronté Lardy, le fabricateur des beignets de patates. Ah, c'est vrai qu'il y a cette merde là. Hop là, voilà. Hop, papa Guerrieg, tu vas avoir du mal à voler dans une grotte, mon oiseau. Et puis voilà, on récupère les derniers morceaux de fer et on se casse. Oh, pas mal, pas mal. Voilà, on sort, on va préparer cette petite bouteille d'eau. Ok, j'en ai plus trop. Ouais, il me reste un petit peu d'eau de côté, il y a nos soucis. Et on va y aller à pied, c'est parti, on enlève la cam avec l'apparition d'Arceus. On ne sait pas du tout qui c'est. On ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Je verrais bien un Pokémon blanc, un Pokémon neutre, mais il peut être bleu, il peut être jaune, il peut être rouge, il peut être vert, il peut être noir. Totalement noir, il y avait Giratina, j'y crois moyen. Et le bleu et le rose sont, à mon avis, privatisés par Palkia et Dialga, donc... je pense que oui, on peut avoir quelque chose de blanc, de vert, de jaune, j'y crois moyen de jaune aussi. Mais voilà, hein, je dirais un vert ou un blanc. Et c'est parti, on examine, on joue de la flûte azur. Oh mon dieu! C'est quoi le bruit de la flûte azur déjà? Déjà, ils ont pas fait d'effort. Voilà, ça va être une grosse critique. Enfin bon, c'est un autre instrument. Ah! Bah voilà! Un escalier de lumière apparaît. Laissez-moi juste le monter. Non. Non. Ah, peut-être que... Oui. Mais au final... Non. Oh là 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 là. Ça c'est beau. Ça c'est beau, c'est magnifique. Ça me plaît. Je suis friand de ça. Une arène lunaire, si je puis appeler ça comme ça. Qui peut aussi être retranscrite sur du Super Smash Bros, je suppose, dans map. Le hameau perle. Je me suis enculé la gorge, mais tout va bien. D'accord. C'est là où l'espace-temps et l'espace... se rejoignent. C'est vrai que je sais pas trop.
tout cas, on profite. Oh, blanc. Eh ben voilà. J'avais dit vert et j'avais parlé de jaune, mais j'y croyais moyen. On était pas loin. On était pas loin. Bah, en effet, il est blanc. Je l'ai vu venir, hein. Pas mal. Pokémon neutre, hein, pour être le dieu de tous les Pokémon, il faut que ça soit quelque chose de... Voilà, une couleur primaire, hein, donc du jaune, du machin... Ça aura pu être du rouge aussi, mais Giratina, déjà le rouge, le noir, le jaune... Donc bon. Ah bah oui, ça ressemble exactement à ce Marcus, finally. On est totalement bête. Oh, une Poké de la lumière. Le... combat final. Et c'est un combat au final, hein. Il va être niveau 100 peut-être. Il va peut-être être niveau 100. Ça serait quand même pas mal pour un Pokémon, s'il vous plaît, ne nous le mettez pas niveau 70 parce que c'est du 3 ans plus. Pacifisphère. Oh là, les esquives sont bonnes. C'est difficile de savoir comment faire les esquives, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Incroyable comment on joue pour l'instant, les esquives sont exceptionnelles. C'est assez rapide en tout cas. Oh là là, pour l'instant on joue grave bien. Alors on en profite là tant qu'il est un petit peu AFK. Il va nous charger. Quoi? Mais oh, on pouvait pas savoir. Oh, attention, on a plus trop de vie! Allez! Non! C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Quoi? Attendez, il fallait faire quoi là au juste? Allez, on continue. Oh là là, mais c'est quoi un combat là qui est très compliqué à comprendre en tout cas. Non. Allez, 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 allez. Non. On a plus le droit d'erreur. Oh là 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 là, ça va être mort, ça va être mort, je vous préviens. Oh là là, c'est presque pas esquivé, mais pour l'instant ça va. On tient le choc face à Arceus. Oh la vache. J'espère qu'on va pas prendre un dégât bête, hein. Quoi? Ah bah on pouvait pas l'esquiver ce dégât. Oh c'est terrible! Le game over à cet endroit. On réessaye une fois, on a le temps, c'est le dernier épisode.
Bah non, on peut pas conserver la jauge, hein. Maintenant on peut un peu mieux gérer leur lit, donc voilà. On peut laisser la cam, on peut laisser la cam si vous le voulez. Je vais quand même l'enlever si jamais je me rate. Et au dernier try, si jamais là je me rate, on enlèvera la cam pour que vous voyez l'intégralité du fail. Donc let's go, on laisse la cam. Donc là, directement, faut se faire plaisir en fait là. Ça on connaît. Oh, il avait jamais attaqué comme ça, directement. Waouh, 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 waouh. Par contre, il est magnifique. Oh non. Il est magnifique, hein, par contre, faut en parler. J'avais jamais vu un aussi beau Pokémon. Oh, je grid, hein. Je grid fort, là. Ouais, je grid fort, mais bon. Mais... Ah, faut être proche, mais pas trop proche face à Arceus. C'est ultra compliqué du coup. Allez! C'est là que j'avais pris beaucoup de dégâts tout à l'heure, j'avais pas bien compris l'utilité de... Attention, hein. Comment ça s'esquivait ça? Allez! Voilà! Ouh! On est chaud! Non, j'avais sauté! J'avais sauté, mais bon. Là, je suppose qu'il faille rester proche de lui, mais bon. Bah, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Oh, il m'a fait peur là-dessus. Allez! Je suis beaucoup trop proche, ça va être compliqué de faire ça, de tirer derrière, d'esquiver. Bon là on pourra pas retirer une autre fois, hein, bien sûr, vous comprenez. Bah c'est mort, il va nous faire la même attaque que tout à l'heure. Hein. Allez, on enlève la cam et jusqu'à ce que nous réussissions. J'ai grid hein, aussi, je pense que là le troisième try devrait être le bon. Donc voilà, on se retrouve en tout cas vers la zone du midlife parce que bon... la flemme, à tout de suite Nicole. Oh, on a réussi à faire un combat face à Giratina. Oh, pas du tout face à Arceus. Niveau 75. Je pense que ça va être un coup d'hydrocanon. Incroyable! D'accord, il faut détruire ses boules en fait avant qu'il explose. D'accord. Bon là, il va nous exploser, c'est ça? Quoi? Quoi? Non! Ok, ok, ça va le faire. Quoi? Oh. Il peut choisir le type de... Attendez, parce que du coup, c'est à peu près le Pokémon que je voulais, hein. Ok, il va pas mourir là-dessus. Et nous, on devrait pouvoir le... Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui bat le type plante, bien sûr? Rien du tout. Mais vous foutez de ma gueule. On n'a pas de type... Oh là 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 là. Mais c'est pas un problème. Envoyé au combat. Éboulement, puissant, et tu nous one-shot Arceus, allez. J'ai confiance en toi, mon petit gros lème, mon gros gros lème, mon gros petit gros lème, mon petit lème, mon petit gros lème, allez. Voilà, c'est ça qu'on veut. On se met directement dans...
Allez. Dans le cucu, dans le cucu, dans le cucu. Encore, encore. Dans le cucu, dans le cucu, dans le cucu, dans le cucu, dans le cucu. Non. Oh là là, l'esquive est excellent. Oh, je suis chaud là, je suis chaud là. Oh, je suis chaud, c'est bon là, je suis imbattable. C'est bon, c'est quasi sûr que je vais gagner. Quand je suis en chaleur comme ça, c'est bon. C'est quasiment gagné, on l'a dit. Allez, il n'y a plus grand chose maintenant pour gagner ou pour perdre, je sais pas. Mais pour perdre, on est encore assez large, j'ai envie de dire. Mais pour gagner, on est plus, vraiment plus, vraiment plus, vraiment plus, vraiment plus très loin. Oh, c'est mal esquivé. C'est pas grave, c'est pas grave. Tant qu'on n'est pas dans le rouge, il n'y a pas de stress à se mettre. C'est ça qui est intéressant. Allez. Je suis un peu proche. On va juste en mettre une et essayer de bien se placer pour le... Oh, l'esquive excellente. Encore. Là il faut que je me replace hein. C'est obligé. Voilà. Oh, 18 000 d'XP. Tu es parvenu à rencontrer tous les Pokémon. Qu'est-ce qu'on a fini le jeu? Tout rêve est à la portée de celui qui persiste à y croire. Le succès de tes actions en est la preuve. À l'image du héros des temps anciens et de ses Pokémon, la contemplation de tels exploits à nouveau égalés par-delà l'espace et le temps éveille joie en moi. Je ne regrette pas de t'avoir appelé dans ce monde. Je t'offre ma bénédiction, à toi et à celui que tu vas devenir, mais aussi à l'univers dans lequel tu vas vivre. Reçois cette part de moi-même. Puisses-tu me montrer ton monde tandis que je serai à tes côtés? Oh, ce Riflore va bouger. On va perdre ce Riflore, mes amis. La plaque légende. Obtient les pouvoirs de n'importe quel type. Bah voilà, c'est ce que je vous disais. Un Pokémon qui... Attendez, mais je vais pas capturer Arceus, là. Comment capturer Arceus? What is the fuck? Arceus. Qu'est-ce qu'il y a à droite là? C'est un bug? Arceus? Bénédiction d'Arceus reçue. On peut pas le capturer, vous êtes en train de me dire ça? Pourquoi on peut pas utiliser Guerrier Aigle? Qu'est-ce qui se passe comme bordel? Ok, non, c'était juste un bug, d'accord. Donc on se casse au bivouac. On fait notre rapport à lui là. Ce Pokémon qui illumine... Oh. On pourra pas le capturer? Serait-ce possible? Ne me dis pas que... Nous avons enfin réussi, notre Pokédex est complet. C'est incroyable, je n'en reviens pas. Mon rêve le plus cher est devenu réalité. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour tous les efforts que tu as fournis. Nous allons pouvoir l'annoncer à tout le monde au village. Je suis impatient de voir leur tête. Retrouve-moi au laboratoire quand tu seras prêt. D'accord, on va retourner au village. On va gentiment finir la vidéo. Et elle aura duré quand même. Après, je me suis fail un petit peu. Forcément, on entend les voisins. Les voisins totalement, mais il y a aucun souci. Oh, 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 oh. Marcia, Arceus, Smarkeus. Bah, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Arceus m'attend. On va pouvoir jouer avec. On ne jouera jamais avec. Mais attendez, vous êtes en train de me dire... Vous êtes en train de me dire que là, on va retourner dans notre monde. Que c'est fini, Topipo, on verra plus jamais rusticité. Bah oui. Wow.
Bienvenue dans le monde du défi onirique. Il te faudra croire en ta force et en ta bonne étoile et ne jamais abandonner pour aller le plus loin possible. C'est quoi ça? Quoi? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, venez, on en fait un et c'est tout. Ouais, on s'arrêtera. Hein. Tant pis pour Arceus, on ne l'aura pas capturé. Donc l'amiral va éteindre l'eau, littéralement. On va bien s'amuser, mais bon, voilà, vous avez compris. Oh ouais. Tiens, le niveau 80. Bouffe. Attendez, c'est quoi ce bordel? Est-ce que c'est pour K? Oh, niveau 100, Seriflor, bravo. Pour accumuler des points, vous pourrez ensuite les échanger contre des souhaits procurant différents effets. Faire un souhait? What? D'accord, Arceus, j'ai pas compris. Je pensais qu'on allait pouvoir le capturer, en plus vous avez vu, il avait utilisé une plaque et tout. Que j'étais quasi persuadé qu'on allait pouvoir utiliser les plaques. Après ça va juste on l'a capturé. Quoi? Mais vraiment. Attendez, mais nous on veut faire la fête au laboratoire, voilà, on veut finir le let's play. Bon là il reste des petits trucs à faire, ça peut être cool hein, éventuellement d'aller chercher Arceus. Je sais pas si on va pouvoir le jouer au final. Mais en tout cas, bon, on a fait le tour du jeu, ça y est, hein, enfin fini le jeu. Voilà, bah comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, hein, le let's play, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, c'est quand même important. Là, on va aller voir du coup ça pour faire la fête, je crois. Ah, te voilà, fantastique, je vais pouvoir faire ma grande annonce à tout le monde. Et on va gentiment finir là-dessus, un petit peu d'eau pour moi. La musique. Hello à tous, je vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux. J'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire, alors je vous demande de ne prêter à l'oreille que quelques instants. Aujourd'hui est un grand jour, l'aboutissement de beaucoup d'efforts et la réalisation de mon plus grand rêve. En effet, la création du Pokédex, l'aspiration profonde du corps des chercheurs, est enfin terminée! C'est vrai? Rien de tout cela n'aurait été possible sans tout le travail, que dis-je, les prouesses constantes de notre cher Zovogien. De son combat contre Ashekater, le roi de la forêt, jusqu'à ses batailles contre Dialga et Palkaos, l'homme du mont couronné, il s'est adonné à ses recherches sans relâche, au mépris de dangers devant lesquels n'importe qui d'autre aurait pris ses jambes à son cou. L'achèvement du Pokédex n'est pas seulement une réussite, c'est un véritable exploit. Et merci, Lavande, et merci. Zavogien, malgré tout, une chose n'a pas changé, tu restes ce mystérieux inconnu tombé du ciel. J'ignore si tes actions ont été motivées par ta seule curiosité ou par une réelle envie d'aider notre village. Mais tu nous as été d'une aide précieuse et je t'en suis sincèrement reconnaissant. Il est peut-être temps pour moi de suivre les enseignements du professeur afin d'en apprendre plus sur les Pokémon. Selena serait tout à fait capable de me remplacer au poste du dirigeant du groupe. Bon travail. Prends ce charme Chroma. Quoi? Qui facilite la rencontre avec tous les Pokémon chromatiques? Je vous offre à tous des beignets de patates concoctés spécialement pour l'occasion. Du reste du corps des chercheurs dura ainsi jusqu'au petit matin. Comme au début, on devait à chaque fois dormir pour avoir de nouvelles missions. J'ai la ref. Puis voilà, ça se finit. Sur la plage des premiers pas. Non. On dirait que tout le monde a passé une bonne soirée hier, c'était vraiment une belle fête, mais au fond, je pense que ce n'est que le début de nos recherches sur les Pokémon. J'aimerais aussi mettre au point de nouvelles méthodes pour confectionner des objets, alors, quelles que soient nos recherches, j'espère que nous aurons la chance de collaborer encore. C'est fini, Topipo. Voilà, c'est fini. On n'aura pas eu Arceus. Attendez, on peut aller voir, hein. Mais on l'a pas vu se faire capturer, hein, alors. Est-ce qu'on pourra le capturer à un moment ou à un autre? Eh bien écoutez, vous le saurez sur Twitter. Hein, voilà, je vous fais pas... Je pensais qu'on allait pouvoir l'avoir, ce serait logique qu'on puisse l'avoir. Puis ça va être simple, ça va se voir là en fait. Hein. 242 attrapés. 242 attrapés. Oh la fausse joie. Putain.
Vous pensez qu'il est caché? Ouais, s'il est caché, je me suicide, c'est pas possible. Si... Oh, il est là! Arthérus! On l'a au final! On s'est pas arrêté pour rien! Bon, c'est Riflore! Kiss sur toi, bien sûr. Bah, attendez, on va enlever Dialga et Palkia. On va faire quand même la petite rêve pour finir. On va les remettre au pâturage 30, parce que c'est vrai qu'on a plus trop de place. Mine de rien. Et on va aller rechercher bah, notre Pokémon aussi, un autre Pokémon de cœur. C'est Togekiss tout simplement, voilà. Togekiss, hein, Giratina aussi qu'on a eu. Luxray, c'était au tout début, on avait arrêté au niveau 62, donc vous voyez, c'était quand même ouf. Et puis voilà, hein, donc Arceus est bel et bien là. Donc il y a toutes ces formes à découvrir. Attendez, bon, on va juste quand même lui parler pour terminer, mais. C'est magnifique. Bah voilà. Allez, mille bisous, portez-vous bien. C'est les vacances. Une petite vidéo de LOL. Je vous avais déjà un petit pack opening. Voilà, hein, je vous spoil maintenant. Je vous ai teasé le truc. C'est un petit pack opening fait à l'arrache. Mais voilà, ça change un petit peu. Voilà, on a fait tout le let's play sans rien du tout à côté. Donc voilà. Puis on se laisse sur Arceus. Enfin, le let's play de. J'ai craché de Pokémon Arceus. C'est incroyable. Voilà. Bref, mille bisous, portez-vous bien. Prochain let's play, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je ne le sais pas. Et puis bref, comme d'habitude, une seule dernière chose à vous dire. C'était Zobogien. Ciao, ciao!